Shabbat and eating kosher, they know their roots. Like, you can't argue with them. They're stronger than you. They will tell you who they are. They're not, they don't ask you even. And they have the Bible and it's all written over there, and they don't have no problems in life. Except of that we're not able to accept them, to recognize the godliness of the holy tribe that is treasured inside them, their souls. And you have the problem not recognizing your own brother and not understanding that there's a way to let him back in. Because we have today all the power to do it. We have all the sources, we have the land, we have everything we need. Except of the key to our hearts that is still missing. Kembo kembo na tatanzambi eto mazulu. O nom puissant de Malakima Kongo. Malakima Nkembo. Isaya Kongo qui revient bientôt libérer son peuple. Dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, au-delà du fleuve de Kouch, son peuple dispersé parmi les nations chez les Ngoï. Beluka à tous nos frères et sœurs bantous de partout où vous êtes. Alors aujourd'hui, pour les titres de cette vidéo, nous allons beaucoup plus nous focaliser aujourd'hui sur le livre de Genèse, le chapitre 3. Et nous allons chercher à comprendre la postérité de la femme. Quelle est la postérité de la femme et quelle est la postérité du serpent ancien, du serpent ancien de Satan. Alors, c'est un verset que beaucoup de gens lisent, mais aujourd'hui nous allons chercher vraiment à aller plus dans la profondeur pour chercher vraiment à comprendre cette postérité de la femme. Tata Nzambi, quand il a parlé au serpent et à la femme, il s'est référé à quoi? Quelle est la postérité de la femme? Et quelle est la postérité du serpent? Alors pour cela, nous allons prendre les commas et nous allons aller dans le livre de Genèse, le chapitre 3, et le verset 15. Et nous allons lire. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Ici, le verbe mettre, c'est nzita. Nzita. Je mettrai inimitié. Le mot inimitié ici, c'est imbi. Et imbi, ça veut dire la méchanceté. Hein? Et d'après le dictionnaire qui concerne Kikongo,
Ça veut dire tout simplement, en kikongo, inimitié veut dire tout simplement la méchanceté. D'accord. Et la méchanceté, bien sûr, a pour synonyme l'inimitié. D'accord. Donc, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ici, on voit que Tatanzami parle au serpent, hein, après avoir menti à Ève. Tatanzami dit qu'il mettra inimitié, donc imbi, la méchanceté, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. En d'autres termes, nous pouvons aussi dire que le mot postérité, ici, veut dire aussi la race. Donc ici, nous avons affaire à deux races. Ok? Donc, la race du serpent et la race de la femme. D'accord? Et il faut savoir que... pourquoi je dis race? Parce que le synonyme du mot postérité, le mot postérité a pour synonyme la race. D'accord? Donc, on peut aussi comprendre ces versets de cette façon-là. C'est-à-dire que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta race et la race de la femme, sa race. Mais regardez maintenant la suite. C'est là où se cache le grand mystère. On dit que celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Beaucoup de gens ont eu du mal à vraiment bien interpréter ces passages. Le mot celle-ci ne signifie pas, ne remplace pas le mot postérité de la femme. Mais ici, le mot celle-ci se réfère au mot postérité. Mais on ne précise pas laquelle de postérité écrasera la tête et laquelle écrasera les talons. Mais on dit celle-ci. D'accord? Pourquoi je dis ça? Nous allons d'abord prendre les versions les plus anciennes, hein, les plus anciennes versions. Et vous allez comprendre quelque chose, pourquoi je dis ça. Nous sommes toujours dans le même... dans le même verset, hein, on n'a pas changé. On va prendre la version King James de 1611 et on va lire. On dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre, voilà ici que c'est différent, et entre ta sémence, donc la sémence du diable, et sa sémence, la sémence de la femme. Mais regardez la suite. On dit, elle te brisera. Le mot « elle » ne remplace pas la femme. Mais le mot « elle » remplace le mot « sémence ». Suivez-moi très bien. Hein? « Sémence ». Donc, la sémence te brisera la tête. Mais laquelle? Quelle sémence brisera la tête? Et quelle autre sémence brisera les talons ou blessera les talons? C'est ce que nous devons chercher maintenant à découvrir. Hein? Donc, entre ta sémence et sa sémence, elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Il faut faire attention. Il dit bien « toi », mais est-ce qu'il s'adressait au serpent ou à la femme? Parce que le mot « elle » n'est, c'est-à-dire, se réfère seulement au mot « sémence ». On va prendre une autre version pour confirmer ce que nous disons. Vous allez comprendre quelque chose. On dit, et donc je crois que c'est, je mettrai inimitié entre toi. Ça, c'est la version traduction Pierre-Robert Olivetan. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence et la sémence de celle-ci. De la sémence de celle-ci. Et on dit que cette sémence, vous voyez maintenant qu'ici c'est plus clair, hein? Ici c'est encore plus clair. On dit quoi? On n'a pas dit entre ta sémence et la sémence de la femme. Et cette sémence, mais quelle sémence? Est-ce que c'est la sémence de la femme qui est attendue, mais il s'est référé ici? On dit cette sémence
te poindra la tête, en fait, c'est te blessera la tête ou t'écrasera la tête, et tu lui poindras le talon ou tu lui blesseras le talon. Donc ici, pour chercher à comprendre laquelle de ces deux semences, parce qu'il faut bien retenir les phrases. Ici, nous avons deux races, deux postérités. Donc, nous avons la première postérité. On nous dit que c'est une des postérités entre les deux. Une d'elles blessera l'autre au talon. Retenez bien ça. Blessera au talon. Donc, nous devons retrouver cette race-là, cette sémence avec cette caractéristique. Déjà, quand vous lisez ces mots-là, tu lui briseras ou blesseras le talon, son talon, ça vous fait penser à quoi? À la Genèse, à Genèse chapitre 25, le verset 26, la naissance de deux races. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, c'est pour cela, donc quand je dis qu'elle te brisera la tête, ici, le mot « elle » ou « celle-ci » d'après la version Louis II, le mot « elle » ou « celle-ci » se réfère seulement au mot « sémence ». Mais on ne sait pas laquelle de ces deux semences. On n'a pas précisé si ici, c'est la sémence de la femme qui blessera la tête de la sémence du serpent. Ce n'est pas précisé. Donc, pour avoir la précision, nous allons maintenant aller voir ce qui s'est passé. Parce qu'on connaît que dans l'histoire du coma, il y a eu deux races. Il y a eu la naissance de deux races. Hein? Avec, quand nous lisons le livre de Genèse 25, nous allons directement aller dans le livre de Genèse 25. Donc, prenons le livre de Genèse 25. Le chapitre 25, le verset, je crois, 26. Là, on parle de la naissance de Esaü, Tsavu, et Jacob, Yankaba. Donc, nous allons prendre... voilà, nous sommes là. Le livre de Genèse, le chapitre 25, le verset 26. Parce qu'il faut savoir, si nous remontons un peu vers le haut... Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que... on va commencer par le verset 21. On dit Isaac, donc Iseka, implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Le verset 22. Les enfants se heurtaient. Les enfants se heurtaient. Et le verbe heurter ici, c'est lata. Kulata, donc Kikomo veut dire frapper. Ça veut dire heurter, frapper. D'accord? Heurter, c'est frapper. Ce sont des mots, des verbes, des mots synonymes. Donc c'est lata. On dit que ici, c'est toujours le même verbe, hein, parce qu'il faut savoir que heurter, c'est écrasé. Donc, on en a ici. Hein. Donc, vous avez heurté. Vous avez écrasé. D'accord, hein? Donc, c'est aussi blessé. Hein? C'est aussi blessé. Ça, vous pouvez le chercher. On peut voir ça dans les synonymes. Un instant. On va chercher ça dans les synonymes. Voir un peu. Voilà. Nous avons ici blessé. Blessé, c'est quoi? En fait, blessé, se heurter. Ok? Blessé, se heurter. Nous avons heurté qui est là. D'accord? Blessé, se heurter. Et heurter, c'est quoi? Se frapper. Se frapper. On va chercher ici le mot frapper. Un instant. C'est aussi frapper. Voilà, le frapper est là. Voilà, nous avons le verbe frapper. D'accord? Et lorsque nous cliquons dans le verbe frapper, nous avons quoi?
Eh bien, nous avons tout simplement le mot, nous avons le verbe saisir. Nous avons saisir. Et saisir, c'est tenir. Saisir, hein, saisir, c'est quoi? Eh bien, saisir, c'est tenir. D'accord? Saisir, c'est tenir. Donc, vous voyez que blesser, heurter, frapper, saisir, tenir, c'est la même chose. Donc, nous allons maintenant revenir dans le livre de Genèse, toujours, le chapitre 25, le verset 21. Parce qu'il faut savoir que... ouais, c'est ça, donc le verset 21. Donc ici, on nous apprend, on nous annonce que, au verset 22, que les enfants, c'est se heurter dans le sein de leur mère. Et quand Rebecca a vu ça, elle alla consulter l'Éternel. Et au chapitre 20, au verset 23, on dit, l'Éternel lui dit, deux nations, ou deux races, ok, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et si nous descendons vers le verset 24, on dit, donc nous allons directement aller vers le verset 26 pour gagner du temps. On dit, ensuite sortit son frère. Parce que souvenez-vous, ici on nous a donné les deux caractéristiques de ces deux postérités. On dit la première, on dit celle-ci, je vous ai dit que ici celle-ci ne signifie pas la postérité de la femme. Ça veut dire tout simplement la postérité. Une de postérité t'écrasera la tête et tu lui écraseras les talons. On n'a pas précisé laquelle écrasera l'autre à la tête et laquelle écrasera l'autre au talon. Mais nous allons maintenant chercher à comprendre dans Genèse, avec la naissance de Ésaü et Jacob, nous allons comprendre laquelle de ces deux postérités, laquelle est la postérité de la femme et laquelle est la postérité du serpent ancien. D'accord? Et retenez bien ce verbe. Ici, vous devez savoir que écraser, le verbe écraser et le verbe blesser, c'est le même verbe. Hein? C'est le même verbe. D'accord? Donc, tu lui blesseras le talon. Donc, retenez bien ça. Tu lui blesseras le talon. Ça, c'est une des caractéristiques que Tatanzami a donné. Okay? Pour identifier cette race-là ou cette postérité-là. Parce que nous venons de voir que le mot race a pour synonyme postérité. C'est la même chose. Donc, blessé au talon. Nous allons revenir dans le livre, au chapitre 25, le verset 26. On dit, ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. On dit dans la main tenait le talon. Ok? Au chapitre 3, on nous a dit que c'est quoi? Blessé au talon. Tu lui blesseras au talon. Donc, il faut. C'est-à-dire que ici, nous avons le mot blessé au talon et nous avions vu que le mot blessé a pour synonyme quoi? Saisir et tenir. C'est la même chose. Ok? Parce que même si nous cliquons ici, qu'est-ce que nous avons comme verbe? Ici, ça nous donne le verbe « casa ». « Casa » aussi, en langue comme ça veut dire « lier hein? ». Ça veut dire « lier ». D'accord? C'est aussi « saisir »,« lier », tout ça. D'accord? Voilà. Nous avons ici le verbe « saisir ». Vous voyez? « Saisir » et « casa ». En kikomo veut dire lié, attaché. C'est la même chose. C'est toujours de verbes synonymes. Vous avez lié qui est là. C'est toujours des verbes synonymes.
attacher ses yeux. Vous en avez tout, vous en avez là. Donc, si nous revenons, c'est toujours, nous remarquons que c'est toujours le même verbe. Donc, c'est-à-dire saisir, blesser, heurter au talon. Donc, on retrouve cette caractéristique dans Genèse 3, le chapitre, le verset 15. On les retrouve dans Genèse 25, le verset 26, que il y a un des enfants de Rebecca, qui a saisi, qui a blessé, qui a heurté le talon de son frère, Ntsavu, Esaü. Vous comprenez ça? Et on lui donna le nom de Jacob. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà avec cette déjà au verset 26, on comprend que, en fait, la caractéristique des caractéristiques qu'on a données dans Genèse 3, 15, nous avons une des caractéristiques qui est là devant nous. Donc, blesser, écraser, tenir, saisir le talon. Donc, Jacob, nous comprenons que Jacob, si nous allons un peu plus encore en profondeur, pour chercher à comprendre que signifie le mot Jacob, nous allons cliquer. Vous allez voir que c'est toujours le même verbe qui revient. Heurter, blesser, écraser, tenir, saisir au talon. Nous allons chercher à comprendre que signifie le mot Jacob. Ça vous, je pense qu'il y a certains qui connaissent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, on va quand même essayer de faire de revoir ça. Ça veut dire ici nous avons le yod, d'accord, nous avons le yod, nous avons le aïn, le yod qui a le son des, c'est soit le son des i, hein? I ou i. Nous avons le aïn qui a le son de a, du a. Ensuite, nous avons le kof qui a le son du k. Et à la fin, là, nous avons le bet qui a le son de b. Et d'après les Édomites Amalekites, d'après Edom, il définit ça, il lit ça, Jacob. Jacob. D'accord? Et il donne la définition, il dit que c'est lui qui prend par les talons ou c'est lui qui surplante. D'accord? Mais ce qui nous intéresse plus ici, c'est l'étymologie de du mot Jacob. Donc, nous allons cliquer sur l'origine, sur l'étymologie du mot Jacob. On dit que ça vient du verbe, nous allons voir, on dit que ça vient du verbe dont vous avez là, c'est un verbe, hein. Ça vient du verbe, ici, il traduit ça comme « akab ». Vous avez les aïn, le kof qu'on retrouve encore ici et le bet. Or, nous savons que le aïn au début de la phrase est silencieux, elle est muette. Elle est muette. Alors, donc, il nous reste le kof qui a le son du k et nous avons le bet qui a le son de b, du b. Ok, donc nous avons ici un son biphonique. D'accord? Alors, ici, on définit ça comme attaquer au talon. Alors, nous allons chercher aussi à savoir si en Kikongo, quel est le mot biphonique qui correspond à ce verbe attaquer au talon. Et lorsque nous parcourons le dictionnaire Kikongo, nous nous rendons compte que, en fait, kaba veut dire blessé. Vous voyez? Kaba veut dire blessé, mais attention, kaba veut dire aussi, on va prendre ça comme ça, attendez. Kaba veut dire blessé, kaba veut dire aussi, un instant, non, c'est pas là, attendez. ah, voilà, je suis là. Donc, kaba veut dire aussi heurter. Mais regardez ce qui est vraiment la précision, hein. On dit heurter contre ou avec le pied. Or, vous savez que le talon se situe au niveau du pied.
Donc, en d'autres termes, c'est heurter contre le pied, d'accord, ou heurter contre le talon. C'est la même chose qu'on retrouve au dictionnaire Kikongo. Donc, en même temps, Kaba veut dire blesser, en même temps, ça veut dire heurter au talon, heurter au pied, contre le pied. Donc, c'est la même chose. Donc, si nous revenons ici, nous voyons que c'est Kaba. Ce n'est pas Akab, mais c'est Kaba. Et si nous revenons vers le nom Jacob, nous retrouvons quoi? Eh bien, nous retrouvons... ici, vous savez que vous avez les Yod. Hein? Les Yod qui a le son de Yi. Donc, on va lire ça comment. Et nous avons les Aïn. Donc, ça sera Yankaba. Hein? C'est Yankaba. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que je dis que la racine de ce verbe, de ce mot Jacob, vient de Kaba, qui veut dire attaquer au talon. On a vu que en Kikongo, c'est attaquer, c'est heurter, c'est blesser au pied, contre le pied, au talon. C'est la même chose. Donc on ne peut pas lire ça à Kab ou je ne sais pas, Yaakov, non. Mais on la lit Yankaba. D'accord? C'est Yankaba qui veut dire tout simplement c'est lui qui attaque au talon. Parce que vous avez le... C'est lui qui heurte, c'est lui qui attaque, qui blesse au talon. D'accord? C'est lui qui blesse au talon, c'est Yankaba. Donc on retrouve une des caractéristiques que Tatanzambi a donné à prononcer dans Genèse 3, le verset 15, que une des postérités blessera, heurtera, attaquera le talon de l'autre. Vous voyez ça? D'accord? Donc ça veut dire que, qu'est-ce que nous comprenons ici? Donc nous comprenons que en fait, ici, nous avons affaire à la race de la femme. Ça veut dire que la race de la femme, c'est cette race-là, ok, qui blessera au talon, qui blessera le talon de la race ou de la postérité du serpent. C'est certain que c'est la race de la femme qui blessera le talon de la race du serpent, parce que vous savez que Jacob représente les 12 tribus du soleil. Et si nous lisons, les livres d'Apocalypse, le chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, qu'est-ce que le Coran nous dit? On nous dit qu'il y avait une femme qui est apparue dans le ciel. Et qu'est-ce que cette femme? Quelle était la représentation de cette femme? Elle avait 12 étoiles. Elle avait 12 étoiles sur sa tête. Les 12 étoiles qui représentent les 12 tribus d'Isolélé. Donc la femme, c'est Isolélé, composé de 12 tribus. Et c'est lui Yankaba. Donc quand Tatanzambi a dit que tu lui blesseras le talon, ici ce n'est pas au serpent, ce n'est pas la postérité du serpent dont il s'agit ici. Ici il s'agit de la postérité ou la race de la femme qui blessera le talon de la postérité ou de la race du serpent ancien. Une autre preuve encore, ça vous allez la lire dans les livres de Daniel. Vous allez la lire au livre de Daniel. Souvenez-vous, Daniel, le chapitre 2, le verset, si vous prenez à partir du chapitre, ça vous pouvez lire ça à la maison. Donc Daniel... Vous pouvez prendre Daniel, le chapitre 2, je crois à partir du
du verset 40. Hein? À partir du verset 40, vous pouvez retrouver ça rapidement. C'est pas là où on parle du quatrième royaume, fort comme du fer, tout ça. Hein? En fait, c'était sur la statue de Nabucodonosor. Et vous savez que cette statue avait une tête d'or, mais le pied de cette statue était en fer et en argile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit que ce quatrième royaume, ça vous le lisez dans Daniel, le chapitre 2, le verset. Je vais commencer à partir du verset. On peut chercher ça. Attendez un instant là, on peut chercher ça. On va prendre Daniel. Daniel. Un instant. Daniel. On va prendre Daniel. Daniel, le chapitre 2. Et le verset. On va prendre le verset. Parce que vous connaissez déjà l'histoire, on ne va pas lire tout le verset. On va prendre le verset 40. Hein. Prenons le verset 40 pour gagner du temps, pour que sa vidéo ne soit pas si longue. On dit, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. D'accord? Et si nous allons vers le verset 45, nous allons descendre un peu vers le verset 45, c'est là où ça nous c'est plus intéressant, c'est là où ça nous intéresse plus. On dit, attendez un instant, là on donne l'explication du songe, là Daniel qui donne l'explication du songe, il dit, et comme tu as vu, on va prendre ça comme ça, et comme tu as vu le pied et les orteils en partie, d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront avec des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Mais nous allons prendre le verset 44 et le verset 45. C'est là où ça devient plus intéressant. Regardez ce que dit le comment. On dit, dans le temps de ce roi, les dieux de cieux, donc Tatanzambi, Yamazulu, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Mais souvenez-vous, cette pierre qui, par après, est devenue ce royaume éternel, hein, qui va subsister éternellement. Où est-ce que cette pierre a brisé, la statue de Nabucodonosor? A-t-elle brisé la statue au genou? C'est où? À la tête? Non. On dit que la pierre a brisé la statue au niveau du pied, au niveau du talon, mes frères et sœurs. C'est la même caractéristique que Tatanzambi a donné dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, le verset 15, que une des caractéristiques
un de la, d'une des postérités brisera, ok, blessera, anéantira, heurtera le talon ou le pied de l'autre. Donc on comprend qu'ici, c'est, nous avons affaire, cette caractéristique correspond à la postérité de la femme. D'Apocalypse 12, le chapitre 12, le verset 1 à 6. Et on les retrouve dans Daniel 2, le chapitre 44 à 45. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est beau, le coma. C'est beau, le coma. Donc ici, il s'agit du royaume de Kifumuyamazu qui arrive. Hein? Ces royaumes que nous, Bantu, régnerons ensemble avec Yakomo. Il régnera au milieu de son peuple et son peuple jugera non seulement les Bantu et les Édomites. Plutôt, pas les Édomites, mais qu'est-ce que j'ai dit? Jugera son peuple et d'autres nations. Vous voyez ça? Et souvenez-vous aussi, quand vous lisez même les apocryphes, hein? Souvenez-vous la conversation que Esdras a eue avec l'ange. Hein? De Esdras, le chapitre 6, le verset 9. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Que comme Esaü est sorti en premier, c'est lui qui devait régner en premier. Mais vous savez très bien que quand Esaü et Jacob sont nés, c'est Esaü qui, après avoir, parce qu'il luttait, on dit qu'il se heurtait dans le ventre, dans le ventre de leur mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a remporté? Qui est sorti avant l'autre? C'était Esaü. On ne peut pas dire que Esaü, c'est celui-là qui va blesser, qui a blessé le talon de Jacob. Non, c'est celui qui blesse, c'est celui qui saisit les talons de l'autre. C'est celui-là qui s'est fait blesser sur la face, sur la tête. Donc, quand ils sont sortis, Jacob en saisissant ou en heurtant le pied de son frère ou les talons de son frère, ça veut dire quoi? Cette position-là, ça représente tout simplement ce que Tatanzambi avait prédit. Que la race du serpent, c'est cette race, c'est celui-là qui va heurter la tête de son frangin, de son frère. Donc, Jacob a été frappé au niveau de la tête. Mais Jacob a blessé son frère au niveau du talon. Est-ce que vous comprenez ça? Mes frères et sœurs, souvenez-vous de Esdras, chapitre 6, le verset 9. La main représente le commencement. Mais le talon, ça vous allez la lire à la maison, Esdras, le chapitre 6, le verset 9. Comme Esaü est sorti en premier, c'est lui normalement qui devait régner en premier. Mais à la fin, c'est le royaume de Kifumuyamazu. C'est Yankaba qui prendra la relève. Et qui, lui, dans son cas, vivra éternellement. Régnera éternellement avec Yakom ensemble. C'est ça le talent. Le talent, c'est la fin d'une personne. Donc cette caractéristique qui nous a été donnée dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, le verset 15, nous l'avons enfin retrouvée. Nous l'avons retrouvée dans la Genèse, le chapitre 25, le verset 26.
Donc on comprend que la postérité qui blessera, qui heurtera, qui saisira les talents de l'autre, c'est cette postérité-là qui se réfère à la postérité de la femme. Et le contraire sera la postérité du serpent. Donc la postérité du serpent devrait régner en premier, parce que c'est lui qui est sorti en premier. Et nous comprenons ici aussi que lorsque nous parlons, parce que nous avons découvert que la postérité de la femme, c'est Yankaba, et le contraire, ou l'autre postérité, ou l'autre race qui est sortie en premier avant la race de la femme, il s'agit de la femme, ou pardon, il s'agit de la race ou de la postérité du serpent. Du serpent ancien. Donc Édom ou Ésaü, c'est la postérité ou la race du serpent ancien. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Et ça, nous allons encore les confirmer. Vous allez voir que c'est vraiment... Nous allons la confirmer. Nous allons la confirmer dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons prendre... Vous savez déjà ces versets, hein, vous l'avez déjà lu, là où on parle du prince de Tyr et là où on parle du roi de Tyr. D'accord? Si nous prenons à partir du verset, donc nous sommes dans Ézéchiel, Ikesaï, le chapitre 28, le verset. Nous allons prendre le verset 12, à partir du verset 12. On va prendre à partir du verset 12. Qu'est-ce que le coma nous dit? Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Nous allons chercher à savoir qui est le roi de Tyr. On dit, tu lui diras, ainsi parle Yahweh. Tu mettais. Là, on donne maintenant les caractéristiques du roi de Tyr. Et nous allons découvrir que ce roi, en fait, n'est rien d'autre que le serpent ancien. Le diable. Satan. Satan, le diable. On dit, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais en Éden. Voilà. On dit bien, tu étais en Éden. Qui était en Éden? Il n'y avait que trois personnalités ou trois entités. Il y avait Adam, Ève et le serpent. Est-ce qu'on parle d'Adam ici, qui est le roi de Tyr? Est-ce qu'on parle d'Ève? Est-ce qu'on parle du serpent ancien? Nous allons savoir. Nous allons continuer à lire. Ça rejoint Genèse 3:15. Tu étais en Éden, le jardin de Tatanzan. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Là, on commence à comprendre que ça ne peut pas être Adam ni Ève. Mais nous allons encore avoir plus de précision. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Mais ce n'est pas fini. On dit quoi? Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. On dit bien des tambourins et des flûtes étaient à ton service. Donc on comprend déjà avec ces deux caractéristiques. Donc tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service.
Ici, il ne s'agit pas d'Adam ni d'Ève, parce qu'on ne les retrouve pas dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, un kélouba, protecteur. Est-ce Adam était un chérubin? Non. Est-ce Ève était un chérubin protecteur? Pas du tout. Donc on comprend que la seule dernière entité qui nous reste, eh bien, il s'agit du serpent ancien, Satan le diable. On dit bien, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Tatanzane. Tu marchais au milieu de pierres intercellantes. Vous comprenez ça? Donc nous avons affaire ici à une créature. D'accord? Nous avons affaire à une créature, un chérubin. Donc c'était lui qui était au jardin d'Éden. On se réfère au diable, au serpent ancien. Et on lui nomme, on dit que c'est lui le roi de Tyr. Or, vous savez que quand nous parlons du roi, parce que si nous parlons du roi, et au verset premier, on nous parle du prince. Le prince, il est qui? Le prince, c'est tout simplement le fils du roi. L'enfant du roi. Or, un fils, c'est qui? Un fils porte la sémence biologique. Donc, un fils porte la sémence de son père. Je ne peux pas appeler n'importe qui d'un fils s'il ne porte pas ma sémence. Je ne peux qu'appeler fils la personne ou l'enfant ou la personne qui porte ma sémence. Donc ici, nous avons affaire à un fils et à son père. Vous voyez ça? Ça vient confirmer que, parce que regardez, nous allons prendre la caractéristique de son fils, hein. Vous allez comprendre quelque chose. De qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle de Jacob? Est-ce qu'on parle... Parce que ce n'est qu'entre les deux. C'est soit Jacob, c'est soit Esaü. Mais nous allons voir que... Nous allons chercher à comprendre, d'abord à lire les caractéristiques du fils. Et par là, nous allons comprendre de qui parle-t-on. D'accord? Nous allons chercher à voir de qui parle-t-on. Prenons à partir du chapitre, du verset 2. Fils de l'homme dit au prince de Tyr, donc qui est le fils du roi. Ainsi parle Yakom. Ton cœur s'est levé et tu as dit, je suis Dieu, je suis Tatanzab. Je suis assis sur le siège de Tatanzab, au sein de mer. Toi, tu es un homme et non Tatanzab, mais tu n'es pas Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Tatanzab. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Donc, nous avons des caractéristiques qu'on nous donne. On dit que cette entité, ce prince de Tyr, est une personne extrêmement sage et très intelligent. Mais de qui parle-t-on? Parle-t-on de Jacob? Parle-t-on de Esaü? De qui parle-t-on? Pour cela, nous avons déjà deux caractéristiques. Et nous allons chercher à comprendre. Nous allons chercher à comprendre avec ces deux caractéristiques qui sont
la sagesse et l'intelligence, cela se réfère à qui? Donc pour cela, nous allons prendre le livre d'Ésaïe, cherchons Ésaïe. Prenons le livre d'Ésaïe, donc Isaïe, s'appelle aussi Isaïe. Ésaïe, le chapitre, on va prendre 47. Ésaïe 47. Ésaïe 47. Voilà. On va prendre ceci, comme cela. Voilà. Ésaïe 47. Alors, Ésaïe 47. Oui. On va commencer par le verset. Un instant. Attendez. Ésaïe 47. Voilà. Je préfère que nous commencions à partir du verset. On peut prendre le verset. Un instant. On peut prendre le verset. Quel verset on peut prendre ici? 9, je crois. Non, pas 9. On peut commencer à partir de 10. Ouais. On va prendre le verset 10. Alors, prenons le verset 10. On retrouve. Parce que ici, il faut savoir que lorsque nous parlons d'Ésaïe 47, on parle du jugement de Babylone. Et ici, on parle de qui? On dit descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fils, fille de Chaldéen. On ne t'appellera plus délicate, voluptueuse. On t'appellera plus délicate, voluptueuse. Donc, quand nous parlons de fille de Babylone, en fait, on se réfère, hein, on se réfère ici à Édom. Pourquoi je dis ça? Ça, vous pouvez le vérifier dans le livre de Psaume, chapitre 137. Vous allez voir, si vous prenez le Psaume 137, on ne va pas quand même tout lire, hein, ça, vous pouvez lire ça à la maison. À partir du verset 7, on dit, l'Éternel dit, souviens-toi, là on parle de, hein, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Salam, hein, disaient, raser jusqu'à ses fondements, fille de Babylone, la dévastée, heureux, qui te rend l'appareil, hein, le mal que tu nous as fait. Donc, ici, les enfants, quand on parle de la fille de Babylone, on se réfère à Édom. Donc ici, nous parlons d'Édom. Et nous retrouvons, lorsque nous allons dans le verset 10, nous retrouvons une caractéristique que nous venons de lire dans les livres d'Ézéchiel. Hein? Souvenez-vous, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28. Et là, qu'est-ce que nous avions dit? Il y a deux caractéristiques qu'on nous a données du prince du Tyr. On retrouve dans ces princes quoi? On retrouve de la sagesse et on retrouve quoi? De l'intelligence. D'accord? Et quand nous lisons les versets 10, que nous dit-on? Que nous dit le coma? Le coma nous dit tout simplement ceci: tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi, rien que moi. Vous voyez? Donc ça vient confirmer le livre, c'est-à-dire ce que nous venons de lire dans le livre d'Ézéchiel, hein? Le chapitre 28, d'accord? Chapitre 28, le verset, à partir du verset 1er, là on nous a donné les caractéristiques les caractéristiques sur les princes de Tyr. D'accord? Et nous pouvons aussi confirmer
qu'en fait, le prince de Tyr se réfère à Édom. Déjà, avec Ésaïe 47, on comprend que nous avons affaire à Édom ici. Parce que la fille de Babylone, c'est Édom, d'après le psaume 137. Et nous avons compris cela. Et nous pouvons aussi le confirmer dans le livre de Jérémie. Hein, si nous prenons le livre de Jérémie, le verset 49. Jérémie 49. Nous allons prendre le verset 7. Jérémie 49, le verset 7. Voilà. Prophétie sur qui? Édom. Alors, on va prendre le verset 7. Regardez-moi ça. On dit, sur Édom, ainsi parle Yakomou des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? Hein? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Donc, on retrouve toujours la caractéristique d'intelligence et de sagesse. Et nous confirmons qu'ici, il s'agit tout simplement des dons. Il s'agit ici tout simplement des dons. Donc, quand, si nous revenons maintenant dans le livre d'Ézéchiel, hein, nous allons revenir dans le livre d'Ézéchiel, parce que nous venons de comprendre que, en fait, ici, l'entité dont nous parle Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 1er, nous comprenons que cette entité, ce prince dont nous parle Ézéchiel, n'est rien d'autre que Édom. Édom. On dit, voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi, par ta sagesse et par ton intelligence. Vous voyez? Sagesse, intelligence. Édom. Donc, ça vient confirmer que la postérité, que la race du serpent ancien n'est rien d'autre que le peuple édomite. Ce sont les édomites. Là, on parle du fils, donc qui est le prince, qui porte la sémence de son père. Et nous avons le roi qui est le Père. Souvenez-vous de Matthieu. On peut aller encore plus loin. On peut encore aller plus loin. Nous allons chercher... nous allons aller dans le livre de Jean. Prenons Jean 8. D'accord? Prenons Jean 8, le verset... Pour gagner du temps, le verset 44. Ici, quel nous dit les communs? Vous savez, hein, l'histoire... de ce qui s'est passé hein, entre Isaïe et le pharisien. Le pharisien, s'adressant à Isaïe, nous allons commencer par le verset 39, il lui répondit, ça ce sont les pharisiens qui répondent à Isaïe, notre père, c'est Abana. Isaïe leur dit, si vous étiez enfant d'Abana, vous feriez les œuvres d'Abana. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue. Cela, Abana, ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Vous voyez? Isaïe qui dit, vous faites les œuvres de votre père. Mais qui est leur père? Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Ça, c'est les pharisiens qui répondent à Isaïe. Nous avons un seul père, Tatanzambi. Isaïe leur dit, si Tatanzambi est votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Tatanzambi que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Continuons. Et dans le verset 44, regardez ce que Isaïe va dire. Comment il va traiter ces pharisiens. Il dit, vous avez pour père le diable. Mes frères et sœurs,
Vous savez, Issa a été clair avec ses pharisiens. Parce que les pharisiens ont dit à Issa quoi? Ils ont dit que nous n'avons point connu d'esclavage. Hein? C'est ce qu'ils ont dit à Issa, d'accord? Qui n'ont point connu d'esclavage. D'accord? Qui n'ont point connu d'esclavage. Comment Issa pourrait leur parler d'être libre? C'était ça la discussion. Hein? D'accord? Ça, c'était la discussion. Ça, vous allez lire tout le chapitre entier pour avoir pour avoir une idée. Voilà, ça, c'est à partir du verset 33. Il dit, ça ce sont les pharisiens qui disent, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment des juifs, si réellement les pharisiens étaient des juifs, des sangs biologiques de la lignée d'Abraham, de Isaac, de Abraham, Isaac et Jacob, ils ne peuvent pas tenir de tels discours, ça ne tient pas, ça ne correspond pas. Car on sait que la lignée de Jacob a connu la servitude en Égypte. Donc ici, quand les pharisiens disent que nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne, comment dis-tu, vous deviendrez libre? En fait, oui, c'est la postérité d'Abraham, mais ici nous avons affaire à des Édomites. Oui, les Édomites n'ont point connu d'esclavage, n'ont point connu de servitude en Égypte. C'est normal qu'ils disent ça à Isaïe. Ce qui montre encore que Isaïe avait affaire à des Édomites. C'est pour cela, au verset 44, il va traiter ces pharisiens en leur disant que vous avez pour père le diable. Ça rejoint Ézéchiel 28, le roi du Tyr et le prince du Tyr, le père et le fils. Et Isaïe vient le reconfirmer que vous avez la sémence du diable car il est menteur et le père du mensonge. Ça, c'est une autre caractéristique qu'on retrouve dans cette postérité, dans cette race, qu'on retrouve et chez leur père et on retrouve chez cette postérité dans la race du serpent ancien. Pourquoi je dis ça? Ça, vous pouvez lire dans les livres des psaumes. Vous pouvez lire le livre des psaumes, le chapitre. On peut prendre le chapitre. On peut prendre le psaume, le chapitre 50. D'accord? Psaume, le chapitre 50, vous verrez que Édom a pour caractéristique aussi le mensonge comme son père, parce que Isaïe a traité ce peuple-là, ces pharisiens, de voilà, ils ont pour père le diable. Ok, donc vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès les commencements et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur. Retenez bien ces mots, hein, des caractéristiques, mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Est-ce qu'on va retrouver cette caractéristique aussi chez son peuple, chez sa race, sa postérité, sa sémence? Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça nous allons la lire dans le livre des psaumes. Nous allons aller rapidement dans le livre des psaumes 50. Nous allons prendre le verset. Nous allons descendre. Prenons le verset. Voilà. Prenons le verset 18. Psaume 50, verset 18. Attendez, je vais un peu remettre la version 8 secondes. Alors, prendre 18, verset 18. Nous sommes là. On dit, voilà, on va prendre les 19, voilà. Parce que ici, il faut savoir qu'on parle de qui? On parle de du méchant. Hein? Alors, vous savez que le méchant, d'après Malachie, le chapitre 1, hein, et aussi
Ésaïe, le chapitre 47, vous allez retrouver le, on t'appellera le pays de la méchanceté. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Ça, c'est Ésaïe 47. Vous allez la lire. Donc, on se réfère toujours à Édom. Donc, Dieu dit aux méchants, quoi donc? Hein, on va commencer par le 16. Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Hein? C'est les Édomites Amalekites. Ils observent la loi. Ils ont la loi des Tatanzas. Hein? Tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et tu pars et ta part est avec les adultères. Mais regardez maintenant à partir du verset 19, c'est ce qui nous intéresse le plus. On dit quoi? Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu des tromperies. Et tromperie a pour synonyme quoi? Tromperie a pour synonyme quoi? Mensonge. Tromperie a pour synonyme le mensonge, mes frères et sœurs. Hein? Tromperie a pour synonyme mensonge. Et quand nous prenons le livre d'Apocalypse, le verset 3, le chapitre 3 au verset 9, nous, qu'est-ce que nous remarquons? Hein? Voici, je te donne de ceux de la synagogue de qui? C'était de Satan. Qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voilà, mentent. Ce sont des menteurs. Ils ont la sémence du mensonge. Édom. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que j'étais aimé. Qui est aimé? Qui a été aimé et qui est toujours aimé? Romains, le chapitre 9. Allons-y dans Romains. Vous voyez comment c'est beau le commun. Ça se complète le commun. C'est tellement beau. Vous voyez ça, mes frères et sœurs. Romains 9, le chapitre, le verset 13. J'ai aimé Yankaba et j'ai haï Esaü. Donc, lorsque nous revenons dans Apocalypse 3, 9. Donc ici, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, c'est-à-dire les Édomites qui se disent juifs, ces faux juifs, ces Édomites Amalekites qui occupent aujourd'hui Isolélé, ne sont pas le vrai juif, mais ce sont des menteurs. Parce qu'ils ont la sémence de leur père, le roi du Tyr. Hein? Les Kélouba qui étaient dans les jardins d'Éden. Satan, le diable. Ils ont cette sémence du mensonge. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. On a aimé qui? Qui est aimé? Yankab. Vous pouvez encore la lire dans le livre de Malachie, chapitre 1er. J'ai aimé Jacob, Yankaba, j'ai haï Esaü, mes frères et sœurs. Donc, si nous revenons dans le livre d'Ézéchiel 28, nous comprenons maintenant d'une façon claire et nette, qu'en fait, le prince du Tyr n'est rien d'autre que Édom. Édom. Donc, quand Tatanzambi a parlé dans Genèse 3, 15, il a donné deux caractéristiques de deux différentes races. Il a dit, une des races va blesser, va heurter, va saisir le talon de l'autre. Et on comprend que c'est cette caractéristique, c'est-à-dire des blessés au talon, hein, revenant, donc nous sommes dans Genèse
3, le verset 15, on dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci ne veut pas dire la postérité de la femme, parce que ce n'est pas la postérité de la femme qui a écrasé la tête des Édomites, mais c'est plutôt Édom qui est sorti en premier et qui a écrasé la tête. Le mot tête ici, c'est loussé, qui a écrasé la tête de son frère Jacob, et Jacob qui a saisi les talons, heurté et blessé les talons de qui? D'Édom, d'Ésaü. Donc quand on dit celle-ci, ça se réfère tout simplement au mot postérité et pas postérité de la femme comme beaucoup le prêchent, beaucoup le disent, beaucoup l'enseignent, c'est faux. Donc celle-ci, donc là, cette postérité t'écrasera ou te blessera la tête. Donc ça veut dire c'est la postérité ou la race des Édomites. Donc ce sont des Édomites ici qui prennent, c'est-à-dire qui régneront en premier, et Yankaba blessera à la fin. Parce que souvenez-vous, on a dit à Esdras que le talon représente la fin d'une personne. Yankaba régnera à la fin éternellement avec Yakom, des armées. Tu lui blesseras les talons. Ici, il s'agit de Yankaba qui est la race de la femme. Et on a vu que cette femme, bientôt, là, va s'enfuir dans le désert. Cette femme qui a 12 étoiles sur sa tête, d'après Apocalypse, le chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 6, mes frères et sœurs. C'est beau le combat. Ça se complète le combat. Donc, déjà à partir de la Genèse 3:15, ça cache un mystère. Donc, ce que nous avons fait, nous sommes allés dans la profondeur et nous comprenons que déjà à partir de la Genèse, le chapitre 3, le verset 15, tout est clair. Déjà à partir de ce péché qui a été commis dans les jardins d'Éden, il y a eu séparation de deux races. Il y a eu imbi entre ces deux races, ces deux postérités. Vous voyez ça, frères et sœurs? C'est beau le coup. Donc, la postérité de la femme, c'est celui qui blesse Ésaü au talon. Et la postérité, bien sûr, cette postérité de la femme qui est Jacob, qui représente les 12 tribus, appartient à Yakomo des armées. Vous comprenez ça maintenant? C'est lui. Parce que, souvenez-vous, c'est-à-dire que Jacob représente l'épouse, hein? C'est l'épouse. Et notre époux, c'est qui? C'est Yakomo des armées. Donc, c'est nous qui sommes, nous bantous, qui sommes la postérité de la femme et qui régnerons à la fin avec Yakomo éternellement. Et la postérité du diable, du serpent, c'est ceux-là qui règnent actuellement. Et d'hommes qui tombent vers leur fin, qui sont en train de chuter. Leur règne s'écroule de plus en plus et ça va encore s'accélérer rapidement. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, voilà la grande révélation d'aujourd'hui que nous avons voulu partager avec vous. Franchement, c'est beau. C'est beau le coma. Et je pense que nous allons encore très, très bientôt venir encore avec de grandes révélations. Mais pour aujourd'hui, je pense que nous allons nous limiter par ici, hein? Je pense que vraiment, comme je le dis,
Déjà à partir de la Genèse, le chapitre 3, tout avait déjà été prédestiné, tout avait déjà été décidé. Et le reste n'a été que l'accomplissement. Vous voyez ça? Le reste n'a été que l'accomplissement. Et quand même nous lisons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 14, pour terminer, vous verrez que si nous prenons le verset pour confirmer encore tout ce que nous disons, si nous prenons le verset 20, si je ne dis pas de bêtises, ouais, nous allons prendre le verset 20, mais nous allons prendre la version Louis Segond pour mieux la lire, sinon ça serait un peu difficile. Voilà, la version Louis Segond, c'est mieux pour mieux la lire, que ce soit lisible. Je crois que c'est ça, oui, c'est ça. Donc, le verset 20, on dit ceci: tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays. Tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Vous savez que la race des méchants. Donc ici, on vient nous confirmer encore que, parce que quand on dit les comment nous parle toujours du diable et Satan. Hein, c'est toujours Satan le diable, quoi. D'accord. Vous pouvez lire tous les chapitres. Et vous allez comprendre qu'on parle ici, du diable, Satan. On dit, tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. D'accord? Vous avez le roi de Babylone. On a vu dans Ézéchiel 28, le roi de Tyr. C'est toujours lui le roi de Babylone. Hein? Le roi de méchants. D'accord? C'est toujours lui. Donc, on dit, tu diras ceci, prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Et tu diras, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé les bâtons des méchants, la verge des dominateurs, vous voyez. Donc ici, on parle toujours du dragon, serpent ancien. On dit, tu te voilà tombé du ciel. Hein? C'est lui toujours, tombé du ciel, astre brillant. Astre brillant, ça veut dire... Yelantsuka. Yelantsuka, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Voilà. Donc vous voyez que c'est toujours lui, hein, Nzete, donc le diable Satan le diable. Et dans le verset 20, pour terminer, on dit on dit que tu n'es pas réuni à eux dans les sépulcres, donc tu n'es pas réuni avec ton peuple, ta race dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays et tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Donc ici encore, c'est encore une autre confirmation que le diable Satan a un peuple, a une race, a une semence, a une postérité qui est Édom. Et ça vient clore le débat. Vous voyez ça? Donc, là, dans Genèse 3:15, Tatanzambi a donné, a séparé, ou avait créé deux différentes races. Et à la fin, la race du serpent sera exterminée ensemble à lui-même. Ensemble avec son peuple, ils seront exterminés pour toujours. Donc voilà la révélation, la grande révélation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous avons voulu partager avec vous. Kemo kemo tatanzambi et tomazulu. Beluka à tous mes frères et sœurs, partout, de partout où vous êtes. Que tatanzambi fasse du bien. Sinon, on se retrouve là. Très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salama
Beluka tous. Et salam, matoto.